Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recettes de cuisine. Et je suis tombée sur une vidéo de Pidi. Je ne sais pas si vous connaissez Pidi, la youtubeuse. Voilà, elle a fait des ravioles. Et je rêve de faire mes propres ravioles depuis tellement longtemps. Et elle montrait une machine et tout. Bon, moi, je n'ai pas acheté la même. Mais j'ai acheté la machine pour faire nos propres ravioles. Comme ça. Et on a juste à presser. Voilà. Donc, c'est cool. Bon, elle est un peu destroy. Peut-être qu'au fil du temps, si ça marche bien, j'en achèterai une vraie, une bonne machine. Mais voilà. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir faire des raviolis. Parce que j'adore ça, c'est toute mon enfance. Ravioles avec un peu de crème de parmesan ou de fromage. Très très bon à n'importe quelle sauce. Moi, j'adore tous les types de ravioles. Donc, c'est génial. Là, moi, je vais vous montrer les ingrédients. Donc, tout d'abord, il vous faut de la farine. Voilà, moi, la farine, elle est dans un petit truc comme ça. De la petite farine tranquille, donc n'importe quel type de farine ça marche, mais moi je vous conseille la farine qu'on utilise pour les gâteaux, pour faire la pâtisserie en général, ça marche. Parce que je sais que pour certains types de recettes, il faut des farines spéciales. Pour la pizza et le pain, il faut du type de farine que j'ai, mais là on va pas faire ça. Donc voilà, donc la petite farine blanche classique qu'on connaît. Il vous faut de la semoule, de la petite crème de semoule fine. Semoule fine, je le précise. Voilà, je suis pas en partenariat. Et il nous faut alors des œufs. Alors dans la recette que Pidi a suivie, j'ai regardé, il faut 3 œufs. Et moi j'en ai que 2. Donc du coup on va réduire les ingrédients. Oh il est bizarre celui-là, il est uniforme, on dirait qu'il y a un poussin. J'ai peur. Ça bouge bizarrement. Est-ce que je m'inquiète ou pas? Moi je vais réduire un petit peu les quantités pour pouvoir mettre que 2 œufs. Parce que je ne suis pas assez pour mettre 3 œufs, tout simplement. Je vais essayer de casser mon œuf. Voilà. Dans un récipient à côté pour voir s'il y a un truc dedans. Parce que c'est bizarre comment ça. Il faut un bol. Oui. Hop. Un petit bol. Et on va casser nos œufs dedans. Pour les proportions, il faut, pour la vraie recette, il faut 180 g de farine et 150 g de semoule fine. 3 œufs. Une pointe pincée de sel. Voilà, c'est tout juste pour faire la pâte à ravioles. Moi, je vais réduire les quantités, donc si vous faites qu'avec. Parce que ma ring light s'est cassée. Moi je vais le faire au robot. Voilà, je vais le mixer au robot, mais vous pouvez le faire à la main, c'est même meilleur pour pétrir. Mais si c'est un robot, c'est
carrément mieux. Mais bon, pas tout le monde peut avoir cette chance. Voilà, moi, c'est le sens là. Donc, du coup, on va le faire au robot. Là, il est actuellement 9h. Franchement, top. Et peut-être que je pourrais les manger à midi. Mais c'est pas sûr encore. On va voir. Voilà, j'ai fait au robot, maintenant je vais finir de la pétrir à la main parce que ben apparemment il me fallait bien tout. J'ai du mal à la pétrir, donc je vais pétrir un peu. Et si vous sentez qu'elle n'est pas assez dure et tout, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un fond d'eau. Voilà, pour faire la pâte. Moi ma pâte elle ressemble à ça pour le moment. Pour ça, on va bien la pétrir un maximum. Et je vous reprends une fois que j'ai pétri. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez votre petite boule. On va la mettre à l'air libre dans un film alimentaire pendant 30 minutes, c'est parti. Et voilà, dans du petit film plastique. Maintenant, je vais la laisser 30 minutes à l'air libre, commencer à ranger mon plan de travail. Et puis voilà, alors, je vais vous montrer l'état du bol. Il me reste encore beaucoup. Mais, mince, on voit pas. Alors, il y a... Bon, y a énormément encore de semoule et tout. Fine, j'ai pas réussi à le mettre. Alors, ça a pas très bien collé. Mais c'est ma première fois, donc ne jugez pas, d'accord. J'ai jamais fait de ravioles. Mais en fait, c'est que j'avais pas 3 œufs, donc j'essaie de réduire au maximum. Je reste dur et dur encore et encore, je pense, parce que c'était beaucoup trop. Mais bon, je pense que la pâte, ça va, elle ressemble à la vidéo. Donc là, on va arrêter de la toucher, on va la laisser reposer, gonfler. Et puis voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez déjà fait de la cuisine, si vous cuisinez à la maison. Si vous faites des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai fait des études de cuisine, donc voilà. Hein, mais j'ai jamais fait de pâte à ravioles, donc c'est cool. Hop. Là, il faut que je prenne. Tac. Je vais me chercher aussi, il faudra le rouleau pour étaler tout ça. La farce. Oui, parce qu'il faut la farce pour remplir dans les ravioles. Alors moi, je vais vous dire ce que je vais prendre, du fromage frais. Je vais vous montrer un petit peu le fromage. Fromage frais, un fond de gruyère et quelques petites herbes de Provence et c'est tout. Vous pouvez le faire aussi avec de la viande hachée, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas de viande hachée, donc du coup on va faire avec du fromage frais. J'adore ça. Voilà, donc et puis écoute, hein, c'est sympa. Après vous pouvez mettre la garniture que vous voulez dedans, ça ce n'est pas un problème pour le coup. Vous faites comme vous le souhaitez. Et puis voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez le faire avec des crevettes, vous pouvez le faire avec des épinards, plein de trucs bien. Moi, je le fais à la simplicité parce que j'ai rien dans le frigo, mais c'est pas grave. En soi, on va tester, on verra si c'est bon. J'ai même pas mis mon timer, genre. Donc là, il est 11. À 30, je le retire. Ça fera... Eh non, à 40, je le retire. Parce que ça fera 30 minutes à 40. C'est bon. Et puis voilà, même si je laisse un petit peu plus que 30 minutes, c'est pas grave en soi. Hein. La dame, elle l'a dit dans la vidéo. Bon, moi, je vous laisse, je vais nettoyer tout ça, je vais me laver les mains. Et puis, on se retrouve à tout de suite. J'ai nettoyé tout mon plan de travail. Là, je suis en train de voir pour faire ma garniture. Donc, je vais tout vous montrer. Donc déjà, sortez tous les ingrédients que je vous ai dit. Fromage frais. Parce qu'en général, on en a toujours. De la... herbe de Provence, des herbes de Provence. Et un fond de gruyère. D'abord, un fond de gruyère. 2 cuillères de fromage frais. Et de la persillade ou des herbes de Provence. Moi, j'ai plus d'herbes de Provence. Je vais mettre un peu de persillade. Voilà, vous en mettez très peu. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. C'est juste pour donner. Je sens que la garniture va être bonne. Voilà, je prépare ma garniture comme ça, c'est fait. C'est à mettre au frais. Voilà, comme ça sera bien compact. Et après, ben, on étalera la pâte, on fera les ravioles. Alors moi, j'ai un emporte-pièce pour faire les ronds, donc voilà. Mais il y en a qui ont la roulette qui fait les ronds tout seul, ça, je le veux. Si j'arrive à bien faire la pâte, je l'achète. Voilà. Si j'arrive à faire les ravioles, je l'achète. C'est un truc facile, en fait, c'est une roulette et ça fait les ronds. Alors que moi, j'ai un emporte-pièce où je fasse tac, tac, ça va être long, mais voilà, on fait comme ça. Là, ma pâte, elle ressemble à quelque chose. Là, on va mettre le fromage frais.
Ma préparation est faite. Ça a l'air d'être une tuerie. Je suis seule, je suis chez moi, tout bon cuisinier goûte son plat. C'est trop bon. La vie, je vous jure, c'est trop bon. Attends. Fromage frais aux herbes. Je ferais ça plus souvent, même sur des toasts. Avec du saumon ou quoi. Mais c'est trop bon. Là, dans les ravioles, ça va être une tuerie. Il reste 20 minutes. Et après, on pourra étaler la pâte. Il faut que je vais finir tout le plat. Non, il faut que j'arrête. D'accord. Moi, je vous retrouve après. Pour vous, ça fera quelques secondes. Et moi, après, je goûte vraiment ma recette à 9h du mat. Genre, je vous explique en fait la situation. Nous, là où j'habite, on est en vigilance vraiment rouge. En fait, on est confiné chez nous, on peut pas sortir parce qu'il pleut à torrent, tout est fermé. Moi, là où je travaille, ils ont fermé et tout. Du coup, bah, je suis coincée chez moi. Et du coup, je me suis dit cette nuit, je sais pas pourquoi j'y ai pensé, je me suis dit, ça serait trop cool que je fasse ma recette de pâtes. Vu que je veux le faire, j'ai tout acheté pour le faire, je le fais. Et je suis très contente. Du coup, je me suis dit, bon, impossible de dormir, mon chat, il est perturbé aussi. Allez, go, c'est parti. Au final, je suis très contente de moi, j'ai réussi. Voilà. À faire la préparation comme demandé et on verra l'étape après. Attends, je vais vous poser. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah ça serait trop cool et tout. Et du coup, bah c'est sympa. Parce que là, franchement, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire la pâte. Elle est là. Ma petite papate. Et elle ressemble exactement comme sur la vidéo. J'ai fait ma petite préparation qui est au top aussi. Donc franchement, là, je suis très 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 contente de moi. Parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, voilà. Là, hop. Hop, hop. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai mis un film sur ma préparation, ma garniture. Et on va aller le mettre au frigo pendant le temps que la pâte, elle finisse de se reposer. Que j'étale tout et qu'après, on puisse mettre. Voilà, je vais vous parler un peu de l'appareil. Alors, j'ai commandé cet appareil sur Ali. Sur un nouveau site, voilà, je peux pas dire le nom parce que bah, je suis pas en partenariat. Il est pas mal, mais il est un peu cassé. Alors, oui, je suis trop deg. En fait, c'est qu'il y en a un qui est trop tordu. Normalement, c'est censé être droit, comme celui-là, droit. Et en fait, bah, lui, il est tordu, je peux pas le mettre droit, j'arrive pas. Donc, du coup, je suis un peu deg, mais c'est les livreurs, hein. Voilà, de nouveau, vous les connaissez. Ils cassent tout. Mais quand je vous dis qu'ils cassent tout, c'est qu'ils vraiment cassent tout. Et je suis d'accord, j'ai commandé plein de trucs chez eux et combien de fois ça a été cassé. Mais quand je vous dis cassé, c'est cassé. J'ai dû recommander. Ce qui est dommage, les livreurs de nos jours, ils ne savent plus faire leur travail. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein, j'en suis sûre que ça va marcher, hein, j'en suis d'accord. Je vais essayer de le faire comme je peux. Bon, bah moi, je vous dis à plus tard. Il reste encore 26 minutes. Donc, on se dit à plus pour voir l'étape suivante. Et je suis trop contente, je suis pressée en fait. Et voir si à midi, je peux manger mes ravioles. Ah. Dites-le moi en commentaire si vous êtes fiers de moi quand même. Je trouve que je m'améliore en cuisine sur des trucs et tout. J'ai envie de me relancer dans des recettes à la maison. Alors, changement de plan parce que j'ai pas un grand plan de travail. Je vais utiliser ma table pour étaler. J'ai mis sur ma table un fond de farine. J'ai ouvert ma pâte. Donc la pâte, on va venir la couper en deux pour pouvoir l'étaler. Mais vraiment finement. Et après, il faudra le mettre sur la machine. Mettre l'après garniture et tout. Là, moi, je vais tout sortir ma garniture dans mon frigo. Hop. Enfin, j'arrive pas plus à sortir du frigo. Ma petite garniture. Et puis là, bah, la pâte, elle s'étale super fine. Alors,
Vraiment, mettez moins de farine que moi, s'il vous plaît. J'en ai un peu trop mis. 4. On va venir emporte-pisser ma pâte. Je pense que ça donne un peu. Merde. Ça fait mal. Alors, en plus, ça fait mal parce que mon porte-pièce, il a déjà des petits trucs. Tac. Regardez l'appareil. Et on va venir le mettre dessus. Comme ça. Je vais faire pareil avec l'autre, mais il faut que j'étale un peu plus. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez étalé. Ça fait vraiment épais. Et il faut pas que ça soit épais. Donc, le deuxième est moins épais. Ah ouais. Tac. Voilà. Oh, regardez-moi là. Une tuerie. Là, la petite préparation, on l'ouvre. On va en prendre un tout petit peu. Et on va venir le mettre dessus. Voilà la garniture. Et là, on va presser. Ah. Deuxième, elle est là. Mais elle n'a pas fonctionné, la deuxième. Faut que je réessaye. Pop, pop, pop. Non, mais regardez comme c'est trop bien fait. Alors, mettez-moi une garniture. Non, mais la garniture. Mais là, je suis trop contente. C'est pas possible comme c'est beau. Je suis bien arrivée. Donc, comme vous avez montré, je vais tout faire. Et après, on se reprend une fois que j'ai fini toutes mes ravioles. Ce que vous pouvez faire, c'est congeler la pâte si vous en avez trop. Mais moi, je pense que j'en aurai pas trop. J'ai fini mes ravioles, je suis très contente. Alors, je ne vous ai pas filmé quand je les faisais tous. Je les ai filmés quand je les faisais une fois, ça suffit. Parce que c'était trop long. Il pleut chez moi. C'est très mauvais. J'ai mon chat qui dort sur son petit pouf de dehors. Voilà. Merde. J'ai marché dans l'eau. Super Amandine. Du coup, c'est trop bien. Là, j'ai lavé ma machine. J'ai lavé quelques trucs. J'ai pas tout lavé. Mince, d'ailleurs, j'ai oublié. J'avais mis de l'eau à chauffer. Ah non. Non, c'est bon. Voilà, j'ai encore tout ça à laver, mais on va le laver tranquillement, on a du temps. Mes ravioles sont au frigo, alors vous n'êtes pas obligé de les mettre au frigo si vous les faites en amont pour que midi vous puissiez les manger. Je crois que je m'y suis pris trop tôt. Mais en fait, je pensais que j'en aurais pour longtemps à faire. Et en fait, pas du tout. Là, il est même pas 11h. Donc, on va attendre et quand il sera 11h, on mettra à cuire. Je mangerai un peu plus tôt, mais c'est pas grave puisque je dois sortir. J'ai mis la petite enceinte là. Voilà, je suis en train de faire cuire mes pâtes, ça y est. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Regardez. Je crois que ça va être une tuerie. J'ai mis un peu de crème parce que j'adore. Et le gruyère. Oh là là, on va se régaler. C'est parti. On va goûter les ravioles, j'ai trop peur. Alors, je pense que ça manque de cuisson encore et pourtant j'ai ces 10 minutes. La femme a dit oui, 300 minutes, vous verrez, ça va cuire vite et tout. Bah pas du tout, hein. Allez, c'est parti. Merde, et ma raviole, elle tombe. Je fais une tête bizarre si ça manque de cuisson. Merde, le téléphone il est tombé. Non, alors, c'est super bon, c'est délicieux. Par contre, ça manque vraiment de cuisson. Elles sont beaucoup trop épaisses. Je m'auto-clash sur moi, mais je pense que j'ai besoin encore de pratique et les faire vraiment beaucoup plus fines, c'est-à-dire et les faire cuire plus longtemps. Sinon, elles sont pas fades, elles sont très bonnes, hein. Parce qu'en soi, ça a le goût de la raviole, hein. On retrouve au magasin. Tout est bon, mais ça manque de cuisson. Pour le con. En fait, l'intérieur où il y a le fromage, c'est cuit. C'est le petit bout. Mais le reste, le contour qui fait la raviole, c'est trop dur. C'est dommage. Et ouais, c'est super dur, je peux pas.
vais les refaire cuire peut-être. Je sais même pas si je peux faire ça. Sinon, c'est délicieux. Hein. Je vous recommande. Hein. Mmh. C'est une tuerie.